Salut à tous, c'est parti. Allez, oh mince, ça c'était un test que j'avais fait. Le mois d'accord me tâte bien quand même, faut le dire. Le mois d'accord me tâte bien et chargé. Le mode hardcore du coup me tâte vraiment vraiment bien. Avec des malus de. Moi je prendrais les malus d'XP et le fait que je sois somnambule. Pour que ça soit fun. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué. Sans être méchant, j'ai remarqué, ben déjà je suis très haut niveau. Ok, il est vrai que j'ai fermé certaines choses à un certain moment, mais. Ce n'est pas normal. Et vu que je voudrais profiter encore plus du jeu. Hop là. En fait, quand tu es comme ça, tu vois où est le A, tu vois où est le B. Et toi, tu vois pas où tu es. Et comme là, le A ici, là. Ces trucs-là, tu sais pas où ils sont en fait. C'est quand tu t'approches de la bulle que tu le vois. Donc le jeu est vraiment poussé dans tout ce qui est recherche et tout. Donc je me tâte. Parce qu'Henri tombe dans une faille temporelle dans le stream et repart du début. Je dis ça, je dis rien, mais. Allez, saute le cheval. Et en mode difficile, les combats sont plus exigeants. En gros, me taper 7 bandits, j'y arrivais pas. Comme j'ai fait d'habitude là. Ah oui, voilà, j'ai gagné, j'ai fait des trucs. Moi je me suis déjà pris aussi quelques branlés, hein, faut pas. Et le mode hardcore, ah qu'est-ce qui me donne envie? Parce que là il y a plein de trucs au niveau 20 depuis un moment. Bah j'y tue plus trop du coup. Mes salutations. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez l'air changé, maître. Pour me fondre dans la masse, je ne veux pas que ma présence s'ébruite. Pourquoi? Pour éviter d'effaroucher nos proies. Si ces crapules apprennent que nous sommes à leur trousse, ils vont décamper. Très judicieux. Où en êtes-vous dans vos investigations? J'ai découvert où ils se procuraient leur mercure. Vous aviez vu juste, il provient du monastère. Oh. Eh bien, c'était la seule explication logique. Il était remis en main propre sur la colline, derrière le monastère. Vous êtes allé voir sur place? Bien sûr, mais je n'ai rien remarqué sortant de l'ordinaire.
Et vous avez découvert qui était derrière toute cette histoire ? Un individu se faisant appeler Rapota. Bon, c'est déjà un début. Au moins, c'est un nom peu commun. Henri, écoutez-moi bien. Une idée m'a traversé l'esprit en chemin. Ces faussaires ont besoin d'un poinçon pour fabriquer les contrefaçons. Oui, bien sûr. C'est un travail complexe. Je connais un homme qui travaille dans la cour du monastère, le maître graveur Jérôme de Silésie. Vous ne croyez pas qu'il est... Loin s'en faut, que Dieu m'en garde. C'est un bon ami, jamais il ne ferait ça. Mais il tient un atelier de gravure, alors il pourrait en savoir davantage. Fort bien, j'irai le voir. Agissez avec tact. Je ne veux pas qu'il se sente offensé. Et mieux vaudrait que mon nom ne soit pas prononcé. Je vais trouver une solution. C'est tout. Prenez soin de vous. Ah, t'es content? Cool. L'alcool, papa, oui, entretien, ben, j'ai pas forcément le bon, si je le fais quand même, moi, l'entretien, mais voilà quoi. Un Boris, je dis plus grand chose. Voilà la tire, ben, ça me l'intéresse plus parce que je suis trop riche. Concrètement, ah oui, là, les marchands sont moins, vendent moins bien, tout ça, donc. Système de combat, ça augmente moins vite. Bon, je suis content de mon système de combat, le fait que je sois au level, mais j'ai fait quoi du jeu? J'ai fait quoi? 15%, 20%, 30%, je sais même pas. Faut que je regarde. Je vais me dire ça dans ma tête. De toute façon, j'ai tellement de vidéos d'avance que... Au pire, je pourrais même le faire. Il faut que je retourne où ça, du coup, au monastère. Ah, mais oui, mais c'est ok, oui, je vois c'est qui. Yeah. Jérôme, c'est celui qui m'a fait la gemme pour la...
Attends un peu. Portez-vous bien. Comment va le travail, maître ? Tout doucement, tout doucement. Vous avez besoin de quelque chose, mon garçon ? Qu'êtes-vous en train de faire, au juste ? Vous êtes dans un atelier de gravure ? Alors nous gravons. Oui, mais quoi, plus précisément ? Et dans quel but ? Oh, on grave aussi bien le bois que la pierre ou le métal. Ici, au monastère, c'est surtout pour de la décoration. Vous avez là une bien grande boutique, maître. Vous ne travaillez quand même pas seul. J'ai d'ordinaire l'assistance de Florian, mon apprenti. Un simple coup d'œil vous permettra de constater qu'il n'est pas présent et que je suis seul ici. Ce qui veut dire que je suis un menteur ou qu'un événement inhabituel est survenu. Je vois. Je crois. Et qu'est-il arrivé à Florian ? Il partage le destin des pharaons. La cinquième plaie d'Égypte l'a frappé. Un fléau. Ou du moins, c'est ce que prétendait son message. Bonté divine. La peste ? Rassurez-vous, je suis persuadé que Florian souffre non pas d'un châtiment venu du ciel, mais plutôt d'un excès d'alcool. Cela dit, j'ai cru comprendre qu'une gueule de bois pouvait avoir des proportions proprement bibliques. Il est comment votre apprenti Florian ? J'ai bien peur qu'il fasse les frais de sa jeunesse débridée. Ces derniers temps, il est victime d'un véritable délire de persécution. Je ne comprends pas. Mais alors, pas du tout. L'autre jour, il m'a dit qu'on le suivait. Et le lendemain, il a acheté un cadenas au forgeron pour fermer son coffre à double tour. Même s'il n'est pas dans mes habitudes de fouiller les affaires d'autrui. Mais au fait, pourquoi cet intérêt ? Vous êtes à sa recherche ? On peut dire ça. Puis-je savoir pourquoi ? Nous sommes amis d'enfance. Je voulais le revoir. Ah, ça, pour se faire des amis, il sait y faire. Tout le contraire de ses compétences au travail. Pour répondre à votre question, vous le trouverez chez lui. Sans doute fiévreux et mourant. Il dort dans le cellier du boulanger. Ah, merci. Merci. Je vous laisse travailler. Bonne chance à vous. Ah mais ce boulanger. Comment que ça va, je gagne ? Non, mon chien, il va partir. Au pied, cabot. Il est là, regarde. Bah, laisse-le partir. Il a le droit de faire ce qu'il veut, mon chien.
Mes humbles salutations. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est le truc. Portez-vous bien. Adieu. Votre visite m'honore. Vous m'avez l'air bien alerte pour un invalide. Hein ? Vous êtes qui, vous ? Mon nom est Henri, et je mène des enquêtes pour le compte du seigneur Radzik Kobila. Et qu'est-ce que vous me voulez ? Je ne vais pas tourner autour du pot. Je dirige l'enquête sur une affaire d'argent contrefait, et les pistes que j'ai suivies m'ont mené directement vers vous. Le nom de Rapota vous évoque quelque chose ? Je ne sais pas trop. Possible ? Ne vous fatiguez pas, je sais que vous le connaissez. Vous concevez les poinçons pour les faussaires. Comment faites-vous pour leur remettre ? Où est leur atelier ? Je ne peux rien dire. Je vais tout nier en bloc, vous n'avez rien contre moi. Ce sont des accusations infondées. Vous venez de vous incriminer tout seul. C'est votre parole contre la mienne. Je vous l'ai dit, je vais tout nier. Vous pensez vraiment que quelqu'un va vous croire ? Votre parole n'a aucune valeur. Vous avez les outils, le savoir-faire et l'atelier. Il ne me reste plus qu'à trouver votre mobile. Mais c'est forcément l'argent. Je n'en ai rien à foutre de l'argent. Alors quoi ? Ces salauds ont enlevé Esther. Si je ne coopère pas, ils vont la tuer. Qui est Esther ? Ma belle, évidemment. Cette racaille est allée l'enlever directement au bain. J'en suis navré. Et moi donc ? Je vais tout vous dire, je vous le promets. Mais seulement si Esther est en sécurité. Donc je suis bon pour aller la chercher, je ne sais pas. Le gars, arrête-toi. Je sais où il la retient, mais personne ne veut m'aider. Et puis, qu'est-ce qu'un garçon chétif comme moi va faire face à des brigands patentés ? S'ils prennent leur... Très bien, je vais ramener votre Esther. Vraiment ? Oui, mais ensuite vous allez devoir tout me raconter. Je le jure devant Dieu Tout-Puissant. Rendez-la moi, je vous en prie. Le reste n'a pas d'importance. Où est-ce qu'ils la retiennent prisonnière ? Dans les collines d'Escalis. Il y a des maisonnettes abandonnées aux alentours des mines. C'est là que je l'ai vue pour la dernière fois, quand j'ai insisté pour lui parler. D'accord. Je vais me rendre sur place et essayer de tirer cette affaire au clair. Vous êtes mon sauveur. Ne comptez pas trop là-dessus. Tout est encore possible. Que Dieu vous accompagne. Alors, attendez, j'ai reçu des messages, là. Faut faire des pattes en sol. La cuisine m'appelle. Alors, je reviens. Ouais. La cuisine. Il n'est pas trop malade, il est un peu plus. Oui, c'est pas tout ça, c'est-à-dire en train de...
Thank you.
nouvelles aventures. C'est comme si toi dans Minecraft Donjon, tu as 15 niveaux à faire. Et les DLC, ce serait un 16e, 17e, 18e niveau en plus. Ou des nouveaux donjons qui arrivent. Et oui, ça existe des DLC sur Minecraft Donjon aussi. Ouais. On va tout reprendre dans 10 minutes, le temps que les factures, et après. Mais ça qu'on peut pas les factures pour commencer. On va finir. Thank you.
Je sens que Henri, il va se prendre une bosse dans la tête. Ouais, je sens qu'on va faire ça. Du coup, tout me mène à ce qu'elle dit. Là, allez, on va tout. J'ai trois quêtes à faire là-haut. Le village de Sasso. Je pense que Henri va prendre un gros choc sur la tête et va faire un voyage dans le temps. Mais il remarquera qu'il a des difficultés. Et je pense qu'on va faire ça. Donc ça veut dire dans à peu près 7 minutes. Le stream va être fini. Là je continue à travers ça. Et par où je remonte après. Ouais, ok. Voilà. Parce que tout est mort, non, ouais, tout ça, tout disparaît. Dans l'intention est totalement différente. Là, je pense que là, je fonce vers une quête. Après, tu ne fonces pas vers la quête, c'est la quête qui te trouve. Ah oui, il est vrai, je connais certaines quêtes. Je connais pas tout. Et juste pour ça, j'ai envie de recommencer ici. J'ai envie de refaire telle quête secondaire. Là, il faut que je remonte au-delà des montagnes. Là. Ouais, juste pour mon niveau. Je vais me fixer des objectifs. Au moins, du moins, 13. Hop, 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 hop. C'est là, je vois. Non, ça, c'est rien du tout. Ah, ça va défoncer au fond de montagne. Remonter, ouais, là je peux remonter là. Yeah. Ah ben, je mets juste, c'est juste là ça. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que c'est?
Bah oui. Va le regretter. Да прыгай. J'ai tous gagné. Il a rien d'intéressant. Je le prends. Ça normalement je pourrais pas le faire plus tard avec Henri, le prochain Henri, au moins pas à bas niveau quoi. Il y avait un camp ici de bandits, tu vois. Il y a quoi voler? Hop, l'épée. Voleur non, mais voilà. Donc, du coup j'ai gagné des points vitalité, force, et sur force je suis déjà à 20. Normalement je suis censé avoir plus 2 ou plus 3 au total, mais ça va pas dépasser les 20. Regardez, vitalité, non ça va. Charisme 10. Éloquence, des fois il pète des... Bon après j'ai perdu des... Ah ben oui. Oui, c'est moi qui choisis mes armes, mon loulou. Du coup, hop. Hop, je reviens. Oh,
Ah, il va se prendre une caboche dans la tête. Non, je rigole. Ah, du coup, voilà. Oh, un shot ? Ah non. C'est un puits. Un lieu d'intérêt. Hier sont... Ouah ! Alerte ! Merde ! Aux armes ! Par ici, vite ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Alerte ! Alerte ! Attaque ! Une ancienne ? Non, c'est moi qui avais raison. Elle grandit. Elle a besoin de Théo. En fait, elle a un mâchoir décalé. Quand elle ouvre la bouche, elle a un mâchoir qui bouge. Et en fait, elle lui tape le point de la mâchoir qui bouge à l'oreille. Donc, je crois qu'elle a mal. Okay. D'accord. Et après, par rapport à son corps qui grandit. C'est pas l'air, papa. C'est pas son corps grandit. Non, mais j'ai compris, oui, j'ai compris, oui. Son corps se transforme. Et du coup, son corps il a du mal à. Il y a quelque chose qui a fait que ça a bougé. Oui, mais elle grandit, elle commence à avoir ces trucs, ok. Voilà, elle m'a expliqué. Donc. Il est où ? Quoi ? Là. Allô ? Oui, bonjour ? Bonjour ? Je fais tout ce que vous voulez. Vous ne craignez pas. Comment m'avez-vous trouvé ? C'est Florian qui me l'a dit. Je suis une idiote. Je croyais que c'était un séducteur, mais il s'avère que c'est un scélérat de mèche avec des escrocs, doublé d'un lâche, puisqu'il savait où j'étais. Pour l'amour du ciel, vous voulez bien vous taire ? Estimez-vous heureuse d'être en vie. Oh, vous ne... Nous devrions pas. Je viens avec vous. Allez. J'ai changé ton personnage. Pourquoi on a fait ça ? Oui. Allez, c'est la fin de ce stream. Et je suis pas mort. Si, là, je suis déjà mort plusieurs fois déjà. Oui, mais là, quand t'as joué, là, t'as été mort aussi. Non. Tu te ramènes ici ? Ah non.
quoi, ça? Pourquoi je suis bloqué là? Mais ça vous regarde? Est-ce que ça vous regarde? Que Dieu vous protège, proche chevalier. Que on est en rendez-vous. J'ai retrouvé. Je sais. En me racontant alors, tout, ils m'ont trouvé en soi et là. Vous oui. Plus, là. Et ensuite, ils m'ont expliqué ce qu'ils attendaient. Allez, je j'imagine que les choses, ce n'était pas si. Vous êtes comme ça. Où puis-je trouver? En principe, il est partout. Je... Ce qui signifie, il surveille chacun de mes mouvements. Bon, alors, quand je suis chez moi, il s'assoit sur un banc dans le parc pour observer. Il y est en ce moment. Difficile à dire. Parfois, je le vois. Parfait, au moins, je sais par où commencer. Pourquoi? Parce qu'on va lui tendre un piège. Et puis... Alors ça, j'en doute. Pourquoi vous... Au début, je ferai... Au revoir. Peut-être t'es au bon moment. Attends, on va l'ouvrir là-haut. Non, on va dans le... Attends, je vais sauvegarder. Ah, j'ai fait. Je t'en fous, hein. C'est vous qui avez fait me rappeler? Alors, ah non, je vais vous rappeler. Le problème, c'est que je vais vous retard à chaque fois. Bah oui. J'ai... Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je pense que Dieu vous bénisse. Allez, on finit là.